Le Mwantiav Moshi 3 a franchi le fleuve Zambèze en Angola ce vendredi 9 août dans l'après-midi pour atteindre Kazombo, le siège même du pouvoir de la reine Nyakatolo. Toute la contrée a bougé au passage de l'empereur. L'accueil a été plus que chaleureux. Des dizaines de centaines de personnes, hommes et femmes, ont suivi le cortège de l'empereur sur plus de 2 km, en courant et en chantant au rythme d'un groupe folklorique tout à fait impressionnant. L'arrivée du Mwantiav était la plus attendue dans ce territoire de Alto Zambèze. Elle permettra de dissiper plusieurs malentendus entre chefs coutumiers et légitimer davantage la reine Nyakatolo. Le Mwantiav a tout simplement été émerveillé par l'accueil. Il l'a démontré. Très satisfait. Très content. Très heureux surtout. L'empereur a un seul message clé à propager dans ce territoire qui a été le théâtre de beaucoup de mésententes. L'unité toujours, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui reste vrai, le Mwantiav a du pain sur la planche. Le travail à faire dans ce territoire lui prendra quelques jours.